Bon ben, bonsoir et ce soir je vais faire un petit peu de mini-golf. Parce qu'aujourd'hui c'est la sortie d'une nouvelle extension dans le jeu. Ça c'est Walkabout Mini-Golf. Je pense que je l'ai jamais diffusé sur YouTube. Ce soir c'est la sortie, aujourd'hui c'était la sortie du nouveau DLC Journey to the Center of the Earth. Basé sur l'œuvre de Jules Verne. Et j'ai jamais lu le roman, mais le film des années 50, 1950, est l'un de mes films préférés que j'ai vu plus souvent quand j'étais jeune. J'ai aussi vu au cinéma le film avec Brendan Fraser des années 2000, mais je suis vraiment plus fan du film des années 50. Et ça fait quand même quelques semaines, ou mettons, peut-être une semaine ou deux que j'ai pas joué au jeu. Et entre-temps, je suis allé au vrai mini-golf dans la vraie vie, ce qui peut avoir influencé un peu ma façon de jouer parce que le bâton dans le vrai mini-golf est plus lourd. Donc, dans Walkabout Mini-Golf, on a une tonne de parcours, je les ai presque pas mal tout essayé. Ça, c'est toutes des balles perdues que j'ai ramassées dans les jeux, dans les parcours. Laquelle que je vais prendre pour Voyage au centre de la Terre? Celle-là est pas pire. Ça n'a aucune importance. Mais ça serait bien que je puisse la voir, la distinguer comme du monde. Fait que je vais prendre celle-là. Ou celle-là, tu sais. On s'en fout. Je l'ai acheté. Il est là. Voyage au centre de la Terre. Saisissez votre lampe torche pour un voyage souterrain palpitant jusqu'au centre préhistorique de la Terre. Par 56, 18 trous. Tiens, jouer une partie de golf. Et on va aller voir. Ok. D'accord. Donc le trou est ici. Puis ici, la balle perdue, parce qu'à chaque trou, sur chaque parcours, il y a une balle perdue à trouver. Et ici, où est-elle? Ah, elle a. Un peu de sérieux, on joue. Puis ça, c'est un par deux. Puis je vais essayer de pas trop tourner sur moi-même, mais c'est le jeu ce qui j'ai tendance à tourner le plus de tous les jeux que j'ai de la VR. C'est le jeu ce que je bouge le plus. Puis je m'enroule dans mon fil des fois, puis tout. Mais bon, je vais essayer de faire de gros efforts pour pas que ça arrive. Hey, c'est vraiment beau. La caverne, tout ça. Je vais juste m'approcher un peu. Oh, wow. Faut être dans le casque pour vraiment l'apprécier, mais c'est très beau. Ok, je pars d'ici puis je lance en bas là. La balle perdue doit être quelque part en bas. Mais là, en fait, ça c'est bloqué. Donc il faut que je lance ici. Ça tombe là, ça roule là. Ok. Ça me demande un petit peu plus de talent que ce que je pensais. Puis ça c'est un par 3. Il faut que je réussisse à peu près en 3 coups. 2, ça sera encore mieux. Vas-y, 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 vas-y. Ok, est-ce que je peux l'avoir en deux coups? C'est très faisable, faut juste que je donne la bonne force. Non, j'ai hésité. Par trois, je vais essayer. Ok, il faudrait que je trouve la balle perdue. Ah, elle est là. C'est pas une nécessité, c'est pas une obligation, mais j'aime ça essayer de trouver. Juste faire attention à pas mettre la main dans. Ok,
juste réajuster mon casque. Des fois, je le mets trop, trop serré. Ça va, je pense. J'entends. Ok, non, c'est bon, c'était dans le jeu. Ok. Ça, c'est trois coups. Ça veut dire, mettons comme ça, je vais essayer. Ou au milieu, mais là, ça, c'est plus difficile un peu. Je peux m'essayer, mais... Qu'est-ce que je fais? Non, je vais m'essayer de ce côté-là. Trop fort, définitivement trop fort. Bon. C'est au milieu, hein? Non. Ah, bah ouais. Dans l'eau? Bon. Et je vais tout perdre mes coups ici, là. C'est ça que j'aurais dû faire au début. De coups. Limite de coups atteinte. Bon, la balle perdue ici. Elle est là. Et observer. Donc comme ça, ça c'est en trois coups. Puis là, je suis déjà rendu à plus 4. Merde. Et si j'essaye comme ça, ça peut-tu marcher? Trop de jours que j'ai joué, là. Je suis un peu hésitant. Il y a une façon de débrancher. Ce sera pas long. Il y a une façon de débrancher une de mes manettes. Non, c'est correct, je joue à deux manettes, c'est pas grave. Faut juste. Il y en a une qui me sert pas, là, mais c'est correct. Oh wow, c'est beau ici. Faut que j'oublie de regarder, c'est beau. On va descendre en bas tantôt. Où se trouve la balle cachée? Elle est là. Elle est bien cachée. Bâton de dynamite. Beaucoup trop fort. C'est ça. Ça, c'est la force qu'il faut que je donne à tous mes coups, presque. C'est ça. Ok. Bon. Fait que là, je descends en bas, là. La balle cachée est juste là. Donc, idéalement, je peux pas tirer comme ça. Il faut que je claque la balle comme ça jusqu'en bas, mais très délicatement.
caché à quelque part là. Je l'ai vu tantôt, mais juste là, là. C'est mes lunettes des fois qui descendent puis que je replace. Ok. Donc là et là. Ça se fait en trois coups. C'est proche. Donc la balle elle est juste là. Yes! Donc. Oh, ça c'est beau ici. T'sais, on s'entend que c'est pas des graphiques à la Red Matter 2. Puis ça a vraiment pas la même clarté dans le casque là. T'sais, c'est vraiment. C'est flou. Hein? Ben pas flou, mais c'est pas aussi beau. Y'a rien d'aussi beau que Red Matter 2. Anyway, là. T'sais, si vous avez vu mes vidéos de Red Matter 2, là, c'est hyper beau dans le casque. Mais y'a rien qui a de ça. Ceci étant dit, malgré l'aspect très cartoon de tout ça, quand t'es là, là, pis tu te trouves dans les lieux, là, c'est impressionnant quand même. Là. Et moi, c'est vraiment le parcours du film Labyrinthe là, qui me fait capoter parce que c'est un film de ma jeunesse très important. Là, puis se retrouver dans les lieux du film, c'est magique. C'est un combien? 3. Si je pouvais l'avoir en 2. Non, trop fort. Je veux pas dire de mauvais mots. Fais attention à mon langage. Toutes sortes de gens qui regardent ces vidéos-là. Ok. Je sais même pas si c'est intéressant parce que. Oui, c'est beau, là, mais c'est intéressant de filmer ça parce que j'ai tout le temps la tête par en bas. Là, fait que... où se trouve la balle? Plus on avance dans les trous dans chaque parcours, plus la balle cachée est dure à trouver. Puis tu sais, comme je dis, c'est pas super important, mais j'aime ça les ajouter à ma collection. Puis quand on regarde, c'est quel bouton déjà? C'est pas ça, ça. Ah! Ok, je vais regarder ça dans 2 secondes. Quand on regarde les trous, on voit ici balles cachées, balles perdues, je veux dire. Et j'aimerais ça toutes les avoir. Ok, ça c'est le parcours. Et là, je suis rendu à 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Puis 18 est là-bas. Ok, il y a un petit radeau. C'est tombé beau. Oh wow! Serpent de mer, là. Mais ça va loin. C'est drôle que tout se trouve ici. Alors qu'ils ont fait un vaste décor. Ah, il s'approche de moi. C'est donc bien capoté. Ok, reprends. Où se trouve la balle? Puis où je suis par rapport à ma caméra, là? Ok. C'est beau, j'ai pas bougé. Ah, elle a... En fait, tu tombes dessus par hasard. Ok, donc. Pas trop loin, pas trop loin. Reste là, oui. Ouh,
Ça, je suis impressionné de moi-même. Parce qu'on penche toujours la tête par en bas, le casque qui descend un peu. Où est la balle perdue? Quelque part ici? Non. Ah, là-bas. Faut checker tous les angles. Oh, ça disparaît. OK. Puis ça revient. Et ça disparaît. Et ça revient. OK, allons-y. J'aimerais baisser mon chiffre à zéro. Partie de golf plus 6, j'aimerais ça le ramener à zéro. Ou dans les moins, idéalement. Où se trouve la balle perdue? Quelque part ici sur le bord. Juste là. Okay. Ça saute. Voilà. Ah, reste là, reste. Non! Champignons. Ben, ça, c'est vraiment génial, cet endroit-là. Okay. Balle perdue, balle perdue. Où es-tu? Celle-là, je la vois pas. Parce que je vais essayer de faire le parcours, puis je verrai. Là. OK. OK, OK. J'essaie de faire le tour. Non. C'est ce que je vais essayer. Si je peux. Reste là, reste là. Mais j'ai perdu tous mes coups, je pense. Non, j'ai encore une chance, OK. Où se trouve la balle? Il n'y a pas
ici. Je sais que c'est un peu plate à regarder, là, quelqu'un qui cherche une balle. Là. J'aurais vraiment voulu avoir les 18. 18 balles. Tant pis. Ouais, t'es là. Ah, okay. Oh, t'as peur, je me recule. Oh wow! Oh, c'est grand, c'est immense! Oh, puis c'est creux! On s'en va en bas justement? Ok. Donc, j'ai la tête dans un champignon. Ok, le drapeau est là. Il faut que je descende juste là, ici. Ok, idéalement, il faudrait que j'aille rebondir là-dessus. Mais pas trop loin. Ok, ça va être très dur. Non, pas très très dur, mais... J'entends les créatures là, préhistoriques. Balle perdue se trouve. Où se trouve-t-elle? Il y en a une là-bas, ça doit être elle, ça. À moins qu'il n'y aurait une autre cachée là. Non, je pense que c'était elle. Trop de choses à voir, trop de choses à voir. Plus 12. C'est ridicule. Ok. Est-ce qu'on voit la balle quelque part? Des fois, elle peut être dans un champignon aussi, elle peut être en haut.
Puis on va continuer. Puis c'est pas grave, je reviendrai un jour. Je finirai bien par la trouver. Reste là. Juste m'approcher un peu. Wow. C'est immense. Comme ça à carte tantôt, mais là c'est en taille réelle. Oh. Wow. Ici, est-ce que je peux trouver la balle perdue? Ah, il y a tellement de place où chercher, là. Je ne vais pas passer tout le stream non plus à chercher. Là. Ok. Donc. Mon parcours au total, c'est pas très bon, là. 18 trous, mais ça, c'était pas pire. Je suis juste intéressé de voir les créatures, tu sais. Je suis moins intéressé par les balles perdues tout à coup. J'ai-tu beaucoup bougé? Ah, un peu, ok. Me recentrer. Ok. C'est impressionnant. Pour un fan, tu sais, de trucs comme ça, justement, Voyage au centre de la Terre ou le Loch Ness ou des trucs comme ça, c'est. Waouh. Ça me prendrait un jeu comme ça, un jeu complet avec des dinosaures. Ben, tu sais, je sais qu'il y a déjà eu. Sur le PSVR1, il y a déjà eu Robinson The Journey qui se passait dans une. Sur une planète, ou peut-être à l'époque préhistorique, mais peut-être sur une autre planète, je suis pas certain. Tu te promènes, puis tu rencontres des dinosaures, puis tout. T'sais. Ça m'attirait beaucoup, ce jeu-là. J'ai juste pas eu l'occasion de jouer parce que j'ai pas le premier casque, puis je pense pas pour l'instant que ça va être rendu disponible pour ce casque-là. Mais on va voir. Tout est possible dans la vie. Waouh. Je vais aller, avant de finir, là, juste m'approcher, voir. Waouh. C'est où que je peux aller le plus loin? C'est ça le centre de la Terre.
un océan rempli de monstres. T'as le goût d'aller visiter par là-bas, là, puis de pouvoir prendre un bateau ou quelque chose. Là. Ouh! Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Hole in one? Ouais. Ok, est-ce que je suis... Ok, c'est beau. Juste vérifier la position de la caméra. Ok. Je vais me recentrer un peu. Donc, début. 15 minutes 32. Actuel, 45 minutes. Oh, je sais pas trop. Ouais. Ça donne juste le goût d'aller me promener par là-bas. Menu principal. Là, est-ce que j'ai débloqué la version de nuit? Oh oui. Ça, c'est toutes mes balles perdues. Par 60. Allons faire ça de nuit. Consulter les paramètres. Cours pour certaines options. Unique disponible pour ce cours. Okay. Okay. Paramètres. Lampe torche. Lampe frontale. Je sais pas qu'est-ce que je veux. La lampe du poteur ou la lampe torche. Je vais l'essayer. Ouais, c'est ça, je reviendrai. Ok, la lampe du poteur. Ok, je vais l'essayer comme ça. C'est sûr que la lampe frontale, c'est plus facile parce que tu vois ce que tu... Vaut du frappe. Ça part mal, mon affaire. Mais bon, c'est juste pour m'amuser à soir, c'est juste pour l'essayer. Je suis pas très, très compétitif. Ça, j'ai manqué mon coup. Ok, fait que je m'en vais par là. Oh, wow. Ça s'apprécie autrement. Là. C'est... Super beau. C'est en bas. Le... C'est lui, c'est le trou? Ou c'est encore lui là en bas, hein? Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Oh non, t'es rendu où?
C'est moi et mon avatar. Ok, beaucoup mieux. Je suis conscient que ça doit être très désorientant à regarder à l'écran. Moi, j'arrive à m'orienter, je sais où ce que je suis, puis je sais où ce que je tourne, là. Vu que c'est moi qui contrôle, évidemment. Ok, ça va pas très bien, mais c'est pour le fun, là. Pratiquer plus autre fois. Ah, ça me choque. Plusieurs fois ce soir, là. Hey, Ok, c'est vraiment des coups de pratique, là. Je suis vraiment pas bon. Par là, par là, par là. Doucement par là. Tu restes là. Non, j'ai essayé, mais... Je pense que j'ai raté toutes mes chances. Ouais. Oh, direct dedans.
chanceux. Faire vite, mais... Non, ça... Ok... Ah oui, ok. Ah non. On oublie ça. Non. Ça me surprend que j'aie encore des coups. J'essaye même plus vraiment. Là. Je voulais juste voir les décors. 7 coups. 3 coups au-dessus du port, fait que c'est fini. Ok. Bon. Et ça, c'est vraiment beau. Non, j'avoue que je joue très mal. Là. Je pense que c'est le fait de diffuser aussi qui est sur le stream qui me déconcentre. D'habitude, je prends peut-être plus mon temps. J'ai peur que ça soit plate si je prends pas assez mon temps. Comment je suis supposé faire ça? Ok, mais sans... Comment je suis supposé faire? C'est sûr qu'elle va juste en rebondir. Bon, on oublie ça, là. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ailleurs. Je vais aller voir tout de suite ce que je finirai pas, là. Je vais juste voir le lac. C'est tout cet environnement-là qui m'attire le plus dans le tableau. C'est ça que j'aurais le goût d'explorer. C'est vraiment beau. Ok, ben... Les autres, ça va être quoi? Le tour du monde en 80 jours. Ok. Puis lui, j'ai pas débloqué, ah non? Ramasser 10 balles perdues.
Ah, il est le fun le jeu, mais est-ce que ça me tente de continuer? C'est plate comme diffusion un peu de me voir regarder à terre. Hein? Non, mais c'est ça, en gros, je voulais l'essayer, là. Je voulais juste regarder un peu la nouvelle extension. Puis c'est le fun de jouer tout seul, mais ça a ses limites aussi, là. Fait qu'à un moment donné, je vais me trouver quelqu'un avec qui jouer, là. C'est juste un coin pour l'entraînement. Oups. J'ai jamais réussi à le pogner, lui, qui s'en vient, là. Encore moins les autres là-bas. Essayer de l'attraper au vol. Non. Encore? Non, trop fort. Oh, il y a un autre. Trop fort. Non. Ah, l'autre là-bas. Non, mauvaise direction. Ça, c'est un aspect du jeu qui est le fun, c'est qu'on peut voler par-dessus les parcours. Je l'ai pas fait tantôt, mais tantôt on était des cavernes anyway, là. Mais ouais, on peut voler. Ça, c'est le début du jeu. Ça, c'est où ce que j'étais il y a 2 secondes. Puis, sur tous les trajets, tous les parcours, ou presque, on peut faire ça. Mais c'est ça le bout du jeu qui peut vraiment donner des nausées à ceux qui ont sujet à ça, là. À l'abordage! Cherry Blossom. Un que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là. Cherry Blossom, il est super beau. Labyrinthe. Sweetopia, c'est des bonbons, c'est le fun. J'ai beaucoup aimé. Ah, ceux-là. Jardin de Babylone, Shangri-La, Eldorado, les temples. J'ai-tu fait celui-là? On dirait que non. Oh. Jamais fait celui-là. Oh, les pyramides. Allons faire un tour. Je l'ai jamais fait celui-là. Mais bizarre. Le Sphinx. Ah. Moi qui ai adoré Assassin's Creed Origins, qui se passe en Égypte. Je trouve ça vraiment très beau. Reste là. Non. Oh, je pensais qu'elle reviendrait. Ça compte? C'est ça. Le python, c'est lui. Ça, c'est le premier coup que j'aurais dû faire, ça. Balle perdue. Y a-t-il une balle perdue près du sphinx? Enfin, c'est pas un sphinx. D'habitude, ils sont près du drapeau, ils sont près du trou. Mais ici, il y a tellement de sable, il n'y a pas dit. En tout cas, je sais pas ce qu'ils ont caché, là, mais. Non, c'est ça, c'est vraiment beau, mais j'ai juste envie de parcourir la map, là. Je suis.
fait, je sais ce que je vais faire. Je vais aller voir comme ça. Ok, fait qu'on commence là, on traverse tout ça. Ok. Ok. Hey, ils te font des méchantes grosses maps juste pour avoir tes parcours là. Mais ils font tout ça. Ça aurait été le fun d'aller jouer dans la pyramide. Ok, ben je suis un peu fatigué ce soir, fait que ça va être juste ça. Puis on se reprendra bientôt. Je vais montrer d'autres Shangri-La la nuit, c'est super beau. Je vais montrer d'autres parcours éventuellement. Les Evil Lairs, ça j'ai pas. Ah oui, ok, c'est pas encore arrivé, mais ça s'en vient. Il y a des lasers, toutes sortes d'affaires là. C'est vraiment des repères secrets de méchants dans des films là. Ça va être trippant ça. Non, et le jeu est plein de. Les développeurs sont pleins d'ambition, ils ont plein d'idées, ça va être trippant ce qui s'en vient. Bon, ben merci d'avoir regardé et à bientôt!